mon frère. Tout est gâté. J'ai dit, contrôle rapidement ma voiture là. C'est comme si quelqu'un couchait sur ma voiture. Non, il n'y a personne, boss. Eh oui. Mais la montre s'est en train de me signaler qu'il y a quelqu'un. Non, il dit que quelqu'un est couché sur la voiture là, mon ami. Contrôle rapidement. Bon, faut pas qu'on me vole cette voiture. Non, bon, je suis en train de regarder. Il n'y a personne sur la voiture. Il n'y a personne. Contrôle-moi la voiture là. Dis que la montre est en train de signaler qu'il y a quelqu'un sur la voiture là. Non, je vous dis la vérité. Bon, s'il n'y a personne sur la voiture. Salut le bal. Je suis le général Franco. Voilà. Je suis ici, quelque part. Comme vous pouvez constater. Madame, venez. Je suis avec une belle dame, purement africaine. Dis coucou aux abonnés de Franco. Coucou, les abonnés de Franco. Le général Franco. Le général Franco. C'est de ça qu'il s'agit, c'est général. Voilà, comme vous pouvez constater, voilà, j'ai découvert cette dame, comme vous voyez avec ce sourire-là, sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook. Et j'ai constaté qu'elle faisait des merveilles. Bref, comme vous pouvez constater, j'ai une montre terrible là. Comment on appelle cette montre, madame? Les montres intelligentes. Les montres intelligentes. En français, en anglais, les smartwatch. Smartwatch. C'est en anglais là-bas. Voilà. Elle vend les montres. Je voudrais d'abord que tu expliques. Parce que ce ne sont pas des montres qu'on voit partout, dehors, partout, qu'on se balade avec là. Ce sont des montres commandées. Madame, quelle est la particularité de ces montres? Comme son nom l'indique. Attends. Arrête un peu ça. Je vais d'abord les présenter. Parce que il faudrait que... Voilà, montre là. Comment je fais sortir les montres? Ce sont les montres comme ça. Je ne vais pas tout sortir. Voilà, je laisse. C'est trop beaucoup. Il y a d'autres là. Voilà. Donc, ils sont là. Comme vous pouvez constater. Là, ce sont... des montres intelligentes. Les gens vont se dire que ce sont des cartons. Hein. Ce sont des montres. Vous pouvez constater là. Ce sont des montres. Voilà, on choisit encore une autre page, n'importe où, pour les montrer que tout ça, il y a les montres dedans. Voilà. Madame, expliquez-nous alors. Quelle est la particularité de ces montres? Comme je disais tantôt, oui. Ce sont les montres intelligentes. Et comme le nom l'indique, en fait, ce sont les montres connectables au téléphone. Donc, oui. On ne peut pas les utiliser sans avoir un téléphone Android, soit un smartphone ou iPhone. Oui. Bon, avant de les utiliser, il faut télécharger l'application. Donc, chaque marque de montre a son application. Sur Play Store ou bien? Oui, sur Play Store ou sur... Vas-y, on pour ceux qui ont Android. Pour ceux qui ont des iPhone. Oui. Bon, la particularité ici, c'est quoi? C'est que quand tu reçois l'appel au niveau... Quand on t'appelle, ça signale au niveau de ta montre. Tu as le choix de décrocher au niveau de ta montre, soit au niveau de ton téléphone. Et tu reçois les SMS que tu peux lire déjà à travers ta montre. Oui. Tu peux les lire à travers ta montre. Tu as le choix de décrocher à travers ta montre ou de décrocher au niveau du téléphone. Oui. Bon, comme il y a trop de bandits maintenant, voilà. Oui, hein? Parfois, tu peux prendre ton téléphone, voilà, tu vas appeler, pas qu'on arrache, on fuit avec. Donc, même, mieux, tu décroches au niveau de ton téléphone. Même les policiers, parler. Là, on peut feinter les policiers avec. Parce que parfois, exactement. Tu es au volant comme ça, rien n'appelle les gens. Quand tu veux appeler, quand tu veux décrocher, on dit, oh, monsieur, serré, 25 000. Tu décroches le téléphone pendant que tu conduis. Donc, maintenant, si, un tour. Donc, pendant que je conduis seulement, un businessman m'appelle, tchac. Je suis seulement en train de parler. Je parle. Quand le policier me voit, il est sûr que non. Je suis en train de regarder l'heure. Je suis en train de lire l'heure. Pourtant, je suis en train de traiter des business. C'est vraiment intelligent. Maman, donc on peut même lire les SMS du téléphone à partir de là. Exactement. C'est pas seulement ça. Il y a aussi la montre, ça peut prendre ta tension. En fait, les paramètres de ta tension, ta pression, ton pouls, ton taux d'oxygène. Oui. Compter le nombre de pas, contrôler les calories, contrôler le sommeil. Même, il y a aussi l'alarme au niveau de la montre. Oui. Et il y a aussi la recherche. Genre, si tu as perdu le téléphone dans la maison, tu lances la recherche au niveau de ta montre. Ça te montre où ça t'indique là où ton téléphone se trouve. Putain! Ça, c'est vraiment le haut niveau.
Donc, attends, il y a aussi l'option que quelqu'un peut toucher ta voiture, ça signale là que quelqu'un est couché sur ta voiture. Voilà, voilà, madame, d'où est venu l'esprit? Comment, qu'est-ce qui vous a motivé? Parce qu'il faut encourager, c'est ce genre d'initiative qu'il faut vraiment encourager. Parce que vous savez, nos soeurs aujourd'hui avec les réseaux sociaux, voilà la meilleure façon d'utiliser les réseaux sociaux. Nos soeurs sont récemment en train de vendre le piment. Donc elle a fait la différence hein, de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et que non, elle utilise les réseaux sociaux pour faire son business. Et c'est pour cette raison que je me suis déplacé pour venir ici là l'encourager. Et on doit l'encourager, les gars. Partagez la vidéo aussi au maximum pour encourager cette dame. Voilà, madame, d'où est venue l'initiative de ce business? On rappelle qu'on est dans son bureau comme ça. Hein? Bon, en fait, je ne fais pas seulement dans ça. Oui. Ça fait déjà 3 ans quand même que je fais dans... La vente. Oui. Mais je fais autre chose. Mm-hmm. Du coup, ce qui m'a motivée à vendre les montres, c'est déjà le vol des... J'ai découvert les montres là au niveau de toujours à Facebook où certains faisaient les publicités, oui. où on peut acheter et tout et tout. Donc, c'est comme ça que je me lance dans la vente de ça. J'ai expérimenté déjà avec une montre comme oui. celle-ci. Oui. Et du coup, j'ai trouvé que l'idée... que c'était les paramètres, très important, les paramètres étaient très intéressants. Donc. Et vous avez commencé à proposer aux gens. Les gens sont intéressés. Les gens sont intéressés. Vous avez acheté en quantité. Voilà. Parce qu'il faut rappeler que ce sont les commandes. Beaucoup plus ici sont les commandes. Et la demande est importante. Oui. Donc, je livre en gros et en détail. Vous livrez aussi à domicile. À domicile. Si quelqu'un doit là, pour ceux qui sont à Yaoundé, je livre à domicile. Pour ceux qui sont hors de Yaoundé, j'expédie. Hein, par une agence, par une agence voyage, de son choix. Mm-hmm. Ok. Bon, avant de laisser les contacts, madame, et vous, sur Facebook, on peut vous retrouver comment sur Facebook? Bon, sur Facebook, vous pouvez me retrouver par mon nom, Nadège Olembe. Oui. Et sur WhatsApp, voilà mon numéro, 679 oui. 41 oui. 12 68. 600 671. 679 oui. 41 oui. 12 68. J'ai suivi, vous appelez Nadège Olembe. Ah, c'est que le stade Olembe est construit sur le terrain de votre père alors. Pas encore. Voilà, c'est une blague. Voilà, donc vous avez vu, donc nous devons encourager cette dame dans ce business parce que son rêve c'est d'avoir une grande boutique quelque part. Bien positionné, où vous pouvez venir rapidement toucher le doigt et acheter. Bon, il faut rappeler aussi, est-ce que quelqu'un peut venir, malgré que vous êtes encore privé, quelqu'un peut venir choisir lui-même? Oui, quelqu'un peut venir choisir à domicile, c'est-à-dire à Emombo. Oui. Précisément face à la gendarmerie Emombo dans une clinique. Voilà, face à la gendarmerie Emombo dans une clinique, pas sans publicité. Voilà donc... Si vous voulez venir vous-même chez elle, voilà, dès que vous êtes à Emombo, en face de la gendarmerie, il y a une clinique là-bas. Vous pouvez me contacter directement. Vous avez le numéro de téléphone. Donc, ensemble, nous allons soutenir cette dame dans son business afin que le business grandisse, quoi. Madame, félicitations hein, et merci. Beaucoup de courage parce que vraiment... c'est ce genre d'initiative, c'est ce genre de business que nous voulons voir les femmes faire sur les réseaux sociaux. Nous ne voulons pas les femmes qui viennent écarter, montrer les ceci, cela. C'est ce genre de business et nous devons encourager ce genre de jeunesse également. Donc, partagez la vidéo et si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien rater prochainement. C'était le général Franco. Un coucou aux abonnés de Franco. Coucou elle. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.